Le grand enjeu pour moi aujourd'hui, c'est de recouvrer en fait sa nature d'homme, sa nature humaine. On dit inhumain. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être inhumain, mais je sais ce que ça veut dire d'être humain, en tout cas. Et pour moi, être humain, c'est vraiment reconnecter avec tout ce qui nous constitue, à la fois être capable de ressentir les choses, de les voir, de les comprendre, de les entendre, de s'accorder ce temps justement de peut-être de méditation un petit peu sur les écarts, les silences, reprendre le territoire pour soi, reprendre le corps pour soi, et puis entrer en confiance aussi par rapport à des choses que l'on sent, que l'on pressent. Et c'est peut-être aussi réintroduire dans cette grande mangrove qui est la pensée du monde aussi, qui est l'humaine condition. C'est aussi reconnecter avec toutes les pensées intergénérationnelles, parce que je pense qu'il y a eu une explosion même, je dirais, des relations intergénérationnelles. Et à mon sens, en fait, toutes ces relations, elles contribuent, je dirais, à la sauvegarde du vivant. C'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter, je dirais, nos émotions humaines. Voilà, je pense qu'on s'est un petit peu éloigné de... On a considéré autour de nous que les relais pouvaient très très bien prendre, la relève sur ce que nous avions à faire, à penser, à sous-traiter, alors que nous avons vraiment des capacités énormes, je dirais, de force de proposition. Et reprendre aussi peut-être cette relation communautaire, revenir à la communauté. Je dirais que dans le sud Gabon, on dit que le jeu est à nous. Nous sommes un jeu qui porte toute une génération, je dirais, toute une transmission. Et que toutes ces transmissions interconnectées permettent justement de se recentrer sur des projets, des perspectives profondément humaines. L'animisme, à mon sens, bon, ça tient aussi de l'éducation que j'ai reçue de l'animisme. Moi, je suis du Gabon, je suis franco-gabonaise et je suis aussi normande par ma mère. Et je peux parler d'animisme aussi de ce côté de la culture de ma mère, puisque mon grand-père était sourcier, il soignait les animaux par imposition des mains, donc ça passait pas par le dialogue, mais par la gestion des énergies. Et du côté de mon père, ce que j'appelle animisme, c'est le respect du vivant. C'est vraiment une pensée écologique du monde, à savoir que l'eau, l'air, ce que nous consommons, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. En fait, tous ces éléments qui constituent le monde sont des entités vivantes. Et avoir conscience que ce sont des entités vivantes, c'est admettre qu'on est dans une logique de collaboration. Voilà. La notion de collaboration, pour moi, elle est très 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 importante parce qu'on a hiérarchisé, on va dire, l'humain par rapport à cet environnement. Or, l'humain fait partie d'une chaîne. Il contribue aussi, je dirais, dans cette chaîne à faire en sorte que tout puisse, je dirais, s'équilibrer, se répondre et raisonner. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie conscience, en fait, de cette collaboration. Ce que je mange agit sur mon corps et me permet de voir les choses d'une certaine manière, etc. Et au-delà de ça, il y a aussi cette pleine conscience du corps subtil. C'est-à-dire que nous sommes des êtres de chair, mais nous sommes aussi des êtres, quand on dit spirituels, c'est-à-dire que nous avons des héritages très subtils dans nos corps. Nous sommes, je dirais, de l'or, du manganèse, des poussières d'étoiles. Dans notre, on va dire, dans notre tradition mystique, on dit que l'homme est une poussière d'étoiles. Donc l'homme est une force très puissante, en fait, qui s'ignore. Et donc, quand on est initié, on prend conscience, en fait, de nos capacités à pouvoir ressentir, voir dans des registres extrêmement différents et pas seulement les registres qui nous ont été enseignés dans un monde néolibéral qui a tendance, en fait, à nous limiter, en fait. Voilà. Je crois que fondamentalement, en fait, l'animisme, c'est de prendre soin. Parce qu'il y a quand même cette bienveillance de la nature, parce que la nature, elle est vraiment extrêmement bienveillante. D'ailleurs, j'ai vécu des pratiques de mise à l'arbre, de guérison par les arbres, et elle est tellement bienveillante qu'on en pleure, en fait.
On pleure de cette bienveillance qu'elle a vis-à-vis de nous. Et je pense que nous, on blesse la terre. On ne prend pas. On a eu à un moment donné, je dirais, cette espèce d'échange avec la nature, où on reconnaissait en fait les bienfaits de la nature. On l'a loué d'ailleurs. Alors, on l'a loué sous des formes très différentes, hein, selon les cultures. Nous, on continue à la louer. Et c'est vrai que quand tu loues la nature, elle te le rend. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre la nature et l'humain. Ce sont des entités vivantes qui ont leur capacité, je dirais, de donner, de recevoir, de rendre. Et il faut pouvoir retrouver cette trilogie-là pour repenser le vivant. Être initié, de mon point de vue, hein, c'est parce qu'il y a plusieurs formes d'initiation, bien sûr. Elles sont vraiment diverses et variées. En ce qui me concerne, c'est moi je suis dans une initiation cosmique, c'est essentiellement les énergies, puisque ça dépend aussi des processus dans lesquels on vous entraîne, de ce que vous voyez et ce pourquoi vous êtes amené en tout cas à travailler. C'est-à-dire que quand on est initié, on te transmet une matière, c'est un peu comme le forgeron, on te transmet une matière avec laquelle tu dois travailler, parce que on est ici pour travailler. Tout n'est pas extraordinaire, on a un travail à produire aussi. Et je me dis que par rapport à ce que nous vivons actuellement, par exemple, on nous donne une matière là. Il faut qu'on la travaille, cette matière. Je me dis pourquoi on se laisse complètement... on a l'impression d'être dépossédé, alors qu'en réalité, on nous tend une matière. C'est vrai que c'est pas facile, mais on nous tend une matière et il faut qu'on la travaille. On a la responsabilité de travailler cette matière en réalité. Et c'est ce que t'enseignent les espaces initiatiques. Comment ça se passe ? Ça se passe que soit on vit dans des espaces où on prend en charge le fait d'être un homme, donc on t'enseigne ce qu'est un homme, alors on va dire que dans des espaces contemporains, on nous enseigne aussi ce qu'est un homme. On nous a enseigné cette chose-là, mais on s'en éloigne de plus en plus. Mais il y a plein d'espaces rituels, même dans les espaces contemporains, on ne se rend pas compte à quel point en fait on occupe des espaces qui nous enseigne. Mais aujourd'hui, on s'est vraiment éloigné de ça. Je dirais que dans l'espace initiatique, on est dans un espace immatériel. Donc c'est l'homme qui est central, mais l'homme est central dans un rapport au monde. Parce que l'homme en soi est le monde, en fait. Voilà, c'est ça qu'on t'enseigne. Donc à partir du moment où tu as intégré que l'homme est le monde, quel que soit le chaos, tu resteras toujours dans une forme d'émerveillement qui t'amène à transformer ce chaos, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, on t'enseigne le rapport vie-mort-vie, c'est-à-dire que la mort n'existe pas, à proprement parler. Tu es un être en mouvement et en transformation perpétuelle. Donc déjà, c'est un apaisement que de ne pas avoir cette peur de mourir. Et comme tu n'as pas peur de mourir, eh bien, tu vas transformer. Et donc, tu vas agir et tu vas, en même temps, développer ce corps de medicine man. À la fois ton corps produit des éléments qui sont capables de le protéger, avec lesquels tu dois travailler, etc. Donc il y a une autonomie dans la gestion même du corps et de l'espace. Je dirais que c'est un peu ça. Et puis après, il y a la dimension de la vision, la dimension du rêve. On est fait d'énergie. Eh bien, on vit dans un environnement où il y a de l'eau, du soleil, du vent. Ce sont des énergies déjà que nous prenons dans nos corps. La question du rêve, les corps dans leur proximité sont des énergies, c'est-à-dire que si vous avez conscience de ces choses-là, vous allez travailler votre corps, vous serez une espèce de rein qui vient filtrer, on va dire, tous les éléments, et donc moi, en contact avec le vôtre, je vais aussi, je veux dire, c'est une chaîne en quelque sorte. C'est pour ça qu'un humain, il doit travailler sur lui aussi. Il ne peut pas simplement être dans une position de consommateur, il doit aussi transformer ce qu'il consomme pour pouvoir redistribuer aux autres humains, je dirais, une énergie qui soit intéressante. Je ne peux pas la qualifier, cette énergie. C'est juste qu'il faut... soit tu es amené naturellement à la travailler, soit on t'enseigne la possibilité à pouvoir la travailler. Ou en tout cas, on te transmet des clés qui vont activer, on va dire, naturellement, ta capacité à pouvoir la travailler. Et ça commence par le rêve aussi, beaucoup. C'est très important, le rêve. Le rêve, ce sont des images, ce sont les premières images. Et c'est pour ça que c'est très important, le rêve.
Le rêve ne se limite pas, je dirais, dans la, on va dire, dans peut-être la relation freudienne, à un environnement familial ou même que social. Le rêve, c'est la capacité à pouvoir justement voler, voyager. C'est prendre autant d'informations, c'est comme des mémoires cellules en fait qui seraient ailées et qui contribueraient justement à notre capacité à voir le monde et à proposer. Voilà, ça va beaucoup plus loin que le corps et ça va beaucoup plus loin, on va dire, que je pourrais entendre une généalogie ou un territoire. Le rêve n'a pas de territoire, c'est comme la transe d'ailleurs. Voilà. On peut maîtriser le rêve, c'est-à-dire que le rêve est un espace dans lequel on peut rentrer et sortir. On peut de nouveau rentrer dans le rêve et sortir du rêve. En fait, c'est ce que vous enseignent aussi les espaces initiatiques. C'est que le rêve, c'est un espace, c'est une géographie complètement ouverte. Parce que la notion de frontière n'existe pas du tout, d'ailleurs. C'est une représentation très artificielle des hommes. Donc c'est une image qu'on nous donne. Or, la frontière n'existe pas. Et donc, dans le rêve, la frontière n'existe pas. Elle te permet de résoudre des problèmes. Elle te permet de les voir et de comprendre. Ce sont des clés de compréhension, en quelque sorte, le rêve. Je pense que c'est très, très important, le rêve. Et pendant ce temps du confinement, il me semble qu'on a été très impactés dans nos sommeils, dans nos rêves. Il y avait comme une espèce d'énergie, on va dire, permanente, qui empêchait peut-être aussi le rêve de s'installer comme quelque chose qui va t'offrir des espaces un peu comme des oasis, en fait, de récupérer. Ce sont des sources, en fait, le rêve aussi. Alors, rentrer en transe, déjà, il y a différentes formes de transe. Bon, moi, c'est vrai qu'en tant que plasticienne, j'ai pas du tout choisi, en fait, de travailler sur la transe. C'est que quand je suis dans un état émotionnel où je dois me rendre disponible et servir une cause, il s'avère que lorsque je rentre en performance, je rentre en transe. Alors, soit j'arrêtais la performance, de deux choses l'une, et ça, je pense que c'est un héritage que j'ai, un héritage culturel. Donc soit j'arrêtais la performance, soit par rapport à l'héritage que j'ai reçu, c'est un matériau que je connais, en tout cas que j'ai vu, qu'on m'a enseigné, etc. Soit je le travaillais comme un matériau qui serait un matériau, en fait, j'ai l'impression d'être une sensitive, mais une sensitive hors territoire. Je suis comme une particule, en fait. Voilà, à partir du moment où je rentre et je suis en transe, je suis comme une particule. Et donc, je ne parle pas de théâtralité, je ne parle pas de danse, c'est une sorte de choré, c'est-à-dire que c'est mon corps qui travaille, voilà, et qui est en résonance, en fait, avec l'espace. Je sens le public, je sens, en tout cas, tous les champs vibratoires, je les sens très, très, très bien. Et donc, c'est ce corps qui travaille. Mais en amont, par contre, il y a tout un travail de mémoire qui se fait. Parce que ça ne m'intéresse pas, la transe, où je vais complètement me laisser aller, etc. Moi, ce qui m'intéresse en tant que chercheuse, pour ce qui est de la transe, parce que je m'intéresse aux rêves, je m'intéresse à des éléments comme ça, c'est justement de canaliser ce corps qui travaille. Voilà. C'est ça qui m'intéresse, c'est de canaliser ce corps qui travaille, parce que j'ai pleinement conscience que ce corps est en train de travailler. Voilà. Il a un message à donner, il a un travail de soin, parce que je suis dans la dimension de la cure. C'est pour ça que j'ai été initiée, d'ailleurs. Hein. J'ai été initiée pour rester fidèle à cet engagement de la cure, du soin. Et donc, je le laisse travailler parce que je sais que là, il est en train de soigner, en fait. Je pars toujours de mon expérience personnelle. Je dirais que c'est un état de conscience accrue, en fait. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un état modifié de la conscience. Je pense qu'il y a différentes façons d'être au monde et d'être conscient sur ce qu'est le monde, de la manière dont on l'entrevoit, en fait. Parce que je suis convaincue que dans l'éducation que nous avons reçue, ça a contribué à une modification, finalement, de l'entrevoir et du voir. Voilà. Donc, revenir dans des espaces comme ça, initiatiques, permet, en fait, de se libérer par rapport à des mutilations que je considère que ce sont des mutilations. Donc du coup, quand j'entre dans cet état-là, j'ai vraiment le sentiment d'être un homme,
d'être une personne profondément humaine, je dirais, interconnectée à quelque chose qui serait de l'ordre du vivant, mais du vivant vraiment, du vivace en fait. Et si je dois parler de la performance par exemple, lorsque je rentre en performance, si je parle de cure, je ne m'adresse pas à une personne en particulier, mais je sens que je suis un tout en fait. C'est comme si j'étais tous vos corps. Je suis tous vos corps, je sens tous vos corps, et ce sont vos corps qui interagissent sur les miennes, sur le mien, et qui aussi travaillent. Vos corps travaillent en même temps que les miens. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, je dirais, ça fonctionne totalement en vase communicant. Et pour parler concrètement de comment ça se passe, est-ce que c'est l'état modifié? Par exemple, avant de rentrer en performance, dans le cadre de cette performance précisément du moins, j'ai été initiée par Pierre Capel à la mise à l'arbre. Donc j'ai été initiée au figuier, qui est un arbre qui est aussi puissant en branches qu'en racines. Donc c'est un arbre de sève, c'est une antenne. Voilà, c'est une antenne, hein, comme on va dire. Vous savez qu'on peut, à partir de l'arbre, s'entendre à tous les endroits du monde. Donc c'est quand même très puissant, l'arbre, déjà physiquement, comme élément physique. Et après, dans la dimension, on va dire, plus cosmique, effectivement, c'est l'Axus Mundo. Et quand on fait ces mises à l'arbre, on sent très bien à quel point c'est un puissant médium, en fait. On l'appelle le patron, c'est un puissant médium, l'arbre. Et donc, avant de rentrer en scène, j'avais repéré dans mes repérages, en fait, c'est pour ça que je voulais travailler sur cette scène-là, j'avais repéré qu'un figuier se situait juste derrière la scène. Donc, il y avait deux arbres, un figuier et un autre arbre. Et donc, d'ailleurs, j'ai dit, tiens, il y a un figuier, et donc, il va collaborer avec moi, il va travailler avec moi, ce figuier. Et puis, pendant que je me concentrais... je me suis rendu compte que sur l'arbre, il y avait un élément étranger. Je pense que c'est un arbre qui était tout petit à un moment donné. On a dû sans doute mettre un câble électrique autour du tronc. Et donc, il a grandi avec ce câble. Et avant de rentrer en performance, j'ai eu cette espèce de conscience où... Et je ne veux pas lui accorder un corps d'humain, mais je sentais qu'il souffrait. Je sentais que cet élément dans son corps le faisait souffrir, en fait. Et ça a été une forme d'empathie comme ça, très surprenante, puisque je ne m'y attendais pas. Et donc j'ai caressé en fait cette partie-là. Et après, c'était le moment où je devais rentrer en scène, donc je rentre en scène. Et voilà, il s'est produit ces moments, ces mouvements, ces champs, parce que je suis aussi dans le champ magnétique, je suis dans le champ cosmique, je suis dans le champ vibratoire, je passe par tous ces états-là. Et il s'avère que cette nuit, en fait, et je travaillais sur le registre de la mer aussi, hein. Il y avait la mer, l'eau, le vent, etc. Et cette nuit, et ça m'intéresse énormément parce qu'à chaque fois que je fais des performances, j'ai aussi des réponses dans mes rêves. Et cette nuit, j'ai rêvé que mon corps était un corps de sable et qu'à l'intérieur de mon corps, j'avais ce qu'on appelle des couteaux qui sont des coquillages, qui sont vraiment des coquillages de sable de mer propre, en fait, puisque moi j'allais chercher des couteaux quand j'étais enfant. Et le couteau a une toute petite partie, un petit tube qui est un tube respiratoire, et c'est comme ça qu'on le pêche, parce que ça fait des petites bulles, et là on peut creuser et on prend le couteau. Et donc mon corps était ce corps de couteau, et je saignais, et à un moment donné j'ai levé ma chemise qui était blanche parce que j'avais ce sang, je comprenais pas pourquoi, et je découvre que mon ventre est un ventre de sable et que j'ai ce tube comme ça respiratoire du couteau, et je me dis tiens c'est bizarre, et puis tout d'un coup je me mets à saigner et le sang sort donc de cette espèce de tube respiratoire, et là je comprends que je dois prendre une branche, que je dois l'insérer à l'intérieur de ce tube pour cautériser en fait, voilà. Et là à ce moment là le sang a giclé en fait, mais c'était très beau, c'était une image absolument magnifique, le sang a giclé jusqu'à me donner de l'eau. Une petite eau comme ça, qui est vraiment l'eau, on va dire, de quelque chose qui aurait fonctionné dans la cautérisation. Et après, au petit déjeuner, je repensais à ce rêve, je me disais, c'est quand même étrange, pourquoi j'ai fait ce rêve? Alors à chaque fois, je me dis, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai fait ce rêve, et puis sans chercher à comprendre, j'ai repensé à cet arbre-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux penser de ça? Je ne peux pas faire d'interprétation. Tout ce que je sais, c'est que il me semble qu'on est interlié, on est interconnecté, et quand on parle finalement de comment on ressent le vivant,
Il ne s'agit pas humainement de le ressentir, il s'agit simplement de comprendre que le vivant mutilé, c'est le vivant mutilé. Mais qu'il peut, il a une puissance de se régénérer, mais qu'il y a aussi cette espèce de rapport presque humain qui s'instaure entre notre corps et le vivant, en fait. Il nous dit des choses, ce vivant-là. Et moi, je l'ai compris comme une urgence à prendre soin du vivant aussi, à de nouveau être capable de regarder ce vivant et de le considérer non pas comme une chose mineure, mais comme étant essentiel, je dirais, à notre vie, à notre survie en tant qu'humain. Un homme, c'est un principe mâle et un principe femelle. Moi, je ne dirais pas un homme et une femme, puisque d'abord, dans le vivant, ce sont des hybrides. On ne sait pas comment ça se passe en dessous, les relations entre un vivant et un vivant. Moi, je pense, je pense que l'arbre communique avec la pierre, qui communique avec la terre. Je crois que tout ça est vraiment en permanence, en échange, en fait, parce qu'on dit effectivement que les arbres créent une espèce de société des arbres parce qu'ils ont des échanges, on va dire, souterraines, etc., avec le champignon, avec... Bon. Mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça, en fait. Mais on ne peut pas le matérialiser, donc c'est très difficile pour nous puisqu'on ne peut pas le matérialiser. Mais ce qui est sûr, c'est que certaines plantes agissent sur nous, certains espaces agissent sur nous, des espaces qui sont soit minéraux, soit il y a du manganèse, soit voilà, on a comme ça en permanence des éléments. Alors comme dans le monde contemporain, c'est vrai qu'on colmate beaucoup, on met beaucoup de béton, de bitume, donc bon après... avoir les pieds sur terre, c'est aussi s'ancrer dans le vivant de la terre, dans ce que la terre te donne. Avoir le pied sur le bitume, c'est pas tout à fait pareil. Même si on peut penser que ça va beaucoup plus loin que ça, mais quand même. Moi, je sais que, par exemple, si vous avez des problèmes d'hypertension, il faut faire prise de terre. Mais une terre qui est bonne, pas une terre qui serait chargée de métro, c'est pas la terre gruyère. C'est une terre qui est bonne. Et si on est sur une terre qui est bonne, et c'est pour ça que d'un point de vue contemporain, je me disais que l'animisme, en tout cas cette conscience que la terre aussi peut agir sur le corps, c'est aussi participer de façon très contemporaine à des sas, prendre conscience qu'on a besoin d'avoir des terres pleines, qu'on a besoin d'avoir peut-être des espaces sans réseau, sans la 5G ou des choses comme ça. C'est reconsidérer l'espace en fonction d'une modernité. Mais vraiment la reconsidérer, et la reconsidérer comme un bienfait pour nous est nécessaire, en fait. Voilà, c'est sur des registres comme ça que moi, ça m'intéresse de réfléchir, en fait. Je ne fais pas de différence entre la mer et moi, le fleuve et moi, le chat et moi. Je pense qu'il y a comme ça des incarnations. Moi, j'ai eu beaucoup d'animaux, vraiment, si on le considère, hein. Mais pas le considère comme, forcément comme un enfant, hein, avec toutes ses capacités à nous enseigner des choses. Franchement, l'animal, c'est d'une intelligence incroyable, hein, y compris une tortue qu'on pourrait penser inerte. Hein. Moi, je sais que j'avais une tortue et je communiquais avec cette tortue dès que je sortais dans mon jardin, elle arrivait, tournait autour de moi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a... Mais il suffit simplement d'être attentif. On peut communiquer avec une libellule. Il faut juste... C'est cette attention qu'on n'a pas. On n'a pas cette attention. Mais si on fait attention, on est très surpris, vraiment, on est très surpris. Et plus on est proche, on va dire, d'une terre primaire, parce que nous avons des plantes primaires. C'est des plantes qui n'ont jamais été modifiées. Ça fait quand même toute la différence. Et donc la question pour moi, dans une pensée animiste, c'est de se dire, on démultiplie, je dirais, le vivant, on le trafique. Mais est-ce légitime de trafiquer à ce point le vivant? Parce que à force de le trafiquer, eh bien les échanges ne se font plus. Et ce vivant ne peut plus nous protéger. Il ne peut plus nous donner les éléments nécessaires à pouvoir vivre dans le vivant. Voilà. Donc soit on transforme les humains et complètement le vivant, et donc on est dans un monde, je ne sais pas lequel, je ne sais pas, moi je n'en sais rien.
Soit on se dit que moi qui ai vécu dans des espaces toute mon enfance de forêt primaire, je peux vous assurer que vous partez le matin, la plante elle est comme ça, vous rentrez le soir elle est comme ça. Ce sont des plantes qui sont boostées, donc ça devient des entités. C'est vraiment des entités. Et ces entités, elles agissent sur nos corps. En fait, on parle de médecine, mais l'environnement est un médicament. Je crois que c'est important de prendre conscience de ça. Le médicament, c'est pas simplement la tisane avec la fleur, avec les cinq plantes absolument géniales, même si c'est très important parce qu'il y en a toujours une qui est aimable avec vous. Mais c'est aussi la présence du patrimoine végétal, eau, air, qui aussi, comme un médicament, va servir le corps et va lui permettre d'être en équilibre, de vivre en équilibre, dans un échange équilibré, on va dire. Je pense qu'elle est dans les corps. La question ne se pose pas, elle est vraiment dans les corps. Elle est dans les corps parce qu'elle est encore dans l'espace. À partir du moment où dans l'espace, où ton environnement proche, c'est là, c'est pour ça que je parle de cette nécessité de prendre conscience de l'environnement. Donc du coup, elle est vraiment dans les corps. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très présente dans les corps africains. Mais elle est aussi très présente dans les corps en France, sauf que les corps sont bloqués. En fait, les gens, ils bloquent. Ils bloquent parce que, bon, voilà, c'est bloqué. Mais c'est par exemple une rivière qui est sale. La question de la cure et du soin, par exemple. Une rivière qui est sale, on va retirer toutes les impuretés qui sont dans cette rivière. Et cette rivière, elle va continuer à couler. Ce n'est pas... Les corps, ce sont les mêmes corps. Sauf qu'il y a un corps qui est beaucoup plus habité et puis qui va ventiler par la danse, par le chant, par la musique, par une consommation peut-être moins de médicaments, moins de dérivés, moins de... Voilà. C'est-à-dire que le médicament aussi, il agit. On dit d'ailleurs que, attention, l'eau que vous buvez, c'est aussi le médicament que vous absorbez. Donc, voilà, avoir conscience que ce que tu prends dans ton corps, tu le redonnes dans la nature. Et ce que les autres prennent, ils prennent ce que tu as donné à ton corps, etc. Et comme la misère ou la difficulté du quotidien fait qu'on n'a pas l'accessibilité aux soins, eh bien, l'environnement est beaucoup moins pollué aussi de possibles toxicités qui vont agir sur les corps. Et je pense qu'il n'y a pas du tout de différence entre un corps, on pourrait dire un corps africain ou un corps indien ou un corps européen. Nous sommes des hommes, nous sommes tous des poussières d'étoiles, mais il y a des corps qui se ferment. Il y a des mémoires, en fait, qui s'anesthésient et qui ne font plus leur travail. C'est juste qu'elles ne font plus leur travail. Mais elles peuvent très, très, très rapidement, en tout cas, reprendre ce travail-là, puisque ça fait partie intrinsèque de la nature humaine. Je pense que la relation animiste fait que c'est toujours l'histoire des limites et des frontières. Tu ne places pas de frontières. Un humain est potentiellement quelque chose de quelque chose de bon, qui peut produire, qui peut transformer. Et donc je pense que ça t'amène à entrer dans une relation de bienveillance permanente. Donc dans ta relation à l'autre, tu es dans une bienveillance permanente. Tu sais que ton travail en tant qu'humain, c'est de recevoir, je dirais, le message que l'autre t'envoie, et de le sous-traiter, et de le comprendre, et de le restituer. Voilà. Et ça, je pense que ça modifie complètement ce qu'on pourrait appeler la poétique de la relation. Ça développe une poétique de la relation qui est toute naturelle, qui est que toi, en tant qu'humain, tu dois, ton travail, c'est de considérer que chaque humain a son histoire, son récit, ses héritages, et que ton travail, c'est justement d'avoir la capacité naturelle, comme le fait la nature, tout simplement, de sous-traiter, parfois de fractionner, parce que fractionner, c'est aussi une façon de participer, je dirais, à cette bienveillance. Et voilà, je pense que ça modifie terriblement les relations humaines. Voilà. Tu deviens un grand rein tout le temps, mais un rein qui fonctionne naturellement, en quelque sorte. C'est peut-être pas beau, le rein, mais le rein, c'est la mangrove. Le rein, c'est la mangrove, tu dois être capable d'absorber toutes les différences, toutes les particularités, comme une grande mangrove, pour pouvoir contribuer, je dirais, au développement, je dirais, d'un écosystème, y compris humain.
Moi, j'ai une joie tout le temps. J'ai une joie tout le temps. Je peux être en colère, je peux parfois m'énerver. Un peu comme on va dire Sekhmet et Hathor. L'humain, c'est comme le vent, la pluie, le soleil. Il y a toujours Hathor qui est là, qui va te tendre le houblon pour apaiser ta colère. Puis il y a Sekhmet qui, de temps en temps, est obligé de provoquer la disette parce que les hommes ne comprennent pas comment ça se passe. Et c'est un peu à l'échelle, on va dire, du cosmos. Dans la guérison, par exemple, on va te dire, si tu es blessé, on va te mettre du mercurochrome parce qu'il faut tout de suite... Non, il faut laisser la blessure s'exprimer. Et c'est parce qu'elle va s'exprimer que tu vas définitivement la soigner aussi. Pas avoir peur de ce que le corps donne, de ce que le corps, comme l'autre, de la même manière. Pourquoi on veut absolument que l'autre soit comme on aimerait qu'il soit, alors que, bon... J'aime bien la littérature japonaise, peut-être parce que c'est aussi une littérature... Bon, c'est difficile de dire comme ça, parce que... Mais vraiment, la sensibilité, c'est qu'il y a une temporalité qui s'installe. Ça rejoint d'ailleurs la dimension de la transe, celle du regard, de la disponibilité. Parce que la transe, c'est une temporalité. Tu rentres dans une autre temporalité. Et ce que j'aime beaucoup dans les romans japonais, c'est justement de laisser cette temporalité s'installer, comme on la retrouve chez Duras d'ailleurs. Il y a une temporalité très particulière chez Duras qui fait que tu entres dans un espace et tu vas vivre chaque recoin, chaque espace. Tu te poses dans le roman, tu reviens le lendemain, tu sais à quel endroit où tu t'es posé. Et j'aime bien aussi la temporalité, en fait, dans le roman. Donc, je dirais à Bécobo, La femme des sables, par exemple, où là, c'est sur l'existentialisme. Donc, il y a ces grains de sable qui viennent et elle doit en permanence gérer cet envahissement par la dune du sable qu'elle a dans son lit, qu'elle a dans ses assiettes, etc. Et ça, pour moi, c'est l'existence. Comment tu cohabites, comment tu t'adaptes à ton environnement? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, le choix de rester dans cette dune et de t'adapter à cet environnement? Voilà, j'aime bien. Et en même temps, parallèlement, dans Abekobo, il y a ce chercheur qui cherche des insectes toute la journée, il est au-dessus de la dune. Et dans le livre, ce que j'aime bien, c'est que lui, il cherche les insectes dans la dune et elle, elle est finalement l'insecte, métaphoriquement, dans le roman, qui travaille en permanence, je dirais, cette existence, enfin ce rapport existentiel. Voilà, j'aime bien les images.